J'étais comme ça. J'étais à HEC Lausanne. Le prestige, l'excellence. C'est la gloire d'avoir passé par admission post-bac. Le rêve ultime. L'assurance de la réussite. Du réseau. Et du bon salaire à la sortie. Une utopie à la Suisse. Mais comme toi, je préfère rester sur mon canapé, regarder la télé, ou encore jouer à la Xbox ou la PS4. Et je voyais autour de moi qui travaillaient, mes amis, qui travaillaient beaucoup, et moi je leur disais non, mais ça ira, ça passera. Ce que je savais pas encore, c'est que ça n'allait pas passer. Car HEC Lausanne, c'est quelque chose qui demande beaucoup de travail, de l'effort, du dépassement de soi-même. Et j'ai pas été à la hauteur. Moi qui voulais prendre une colocation avec un ami, avec un sèche-linge, un lave-vaisselle et un balcon, j'ai pas pu. J'ai dû retourner en France, à Tarare. Excusez-moi, pour faire un UT. J'ai 2 ans à Tarare, 500 habitants, filouvrière, pire que Mélose. Et c'est quand j'étais dans mon appartement, seul, à Tarare, que j'y ai repensé et que je me suis dit « Merde !» Pourquoi j'ai pas pensé avant. C'est pour ça que, aujourd'hui, pendant que tu en as encore le temps, il faut travailler. Il faut que tu t'y mettes. Parce que le travail, c'est la clé de la réussite. C'est la clé du succès. Sans travail, t'arriveras à rien dans la vie. C'est ce que disait mon grand-oncle. Alors voilà, aujourd'hui, je ne te connais pas, mais sache que si tu veux y arriver, tu n'as qu'à travailler. Surtout la compta. Ah, la compta. Il suffit juste d'apprendre. Apprendre un petit peu quelques principes, quelques règles. Et contenter. J'étais à ça. Mais ça, c'est quoi? Ça, c'est du travail. Alors voilà. Aujourd'hui, où est-ce que j'en suis? J'aurais pu finir banquier à Genève, être dans une PME, ou qui sait, peut-être diriger ma propre entreprise. Mais non. Aujourd'hui, après 2 ans de travail, en tant que... en tant que secrétaire médical, je peux vous dire, j'en finis au chômage, je suis au RSA, j'ai même plus de quoi me payer des habits, et je continue chaque jour avec une grande nostalgie à porter ce pull. Car ce pull pour moi, ça représente mon rêve, le rêve que j'ai gâché.